Saint-Esprit au-dessus de toutes choses, d'habitant au milieu de nous en ces instants. Seigneur, c'est auprès de toi que nous nous approchons ce soir. Enseigne-moi dédié à l'Esprit divin, à l'Esprit supérieur, à ton Esprit Saint. Nous te prions du haut de ton ciel, dans les dieux suprêmes, les puissants, les majestés. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle de ces lieux, de nous ouvrir ton ciel, de libérer l'esprit, de libérer l'onction, de libérer la puissance, de libérer la force. Délibérer cette énergie. Délibérer cette grandeur. Délibérer la vision, la prophétie, les dons ainsi que les charismes. C'est moi, ô Père. Nous voulons te voir. Nous voulons te toucher. Nous voulons témoigner de toi. Nous voulons montrer au monde. Ils ont vu Christ, tels ils doivent te voir, car c'est toi qui es là. C'est toi qui es là, Esprit de Dieu. C'est toi qui nous donne la force, le mouvement, l'être. C'est toi qui marches désormais à la tête de l'armée céleste. C'est toi qui suscite, qui réveille à nous les vouloirs et les faits. Alléluia.
Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on puisse saluer ces élèves? Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là ce soir. J'étais en train de demander à Dieu de bénir quelqu'un. Alléluia. Après la Pâque, 50 jours après, doit être célébré un grand événement. C'est la venue du Saint-Esprit sur la terre. J'ai ce que le modérateur a dit. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'était pas là. Mais il est venu d'une manière parfaite. D'une manière, je vais dire, physique. D'une manière visible. Alléluia. Cela veut dire quoi déjà de cette introduction? Le Saint-Esprit peut être là, mais sans qu'on sache qu'il est là, sans que tu vives ces êtres en toi. Pendant la création, il était là. Quand la Bible dit au commencement, Elohim créa, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit a participé à la création du monde. D'ailleurs, c'est partant de là que l'on appelle l'agent exécuteur du Dieu vivant. La Bible dit, Dieu disait, et le Saint-Esprit le fait. Dieu ordonne que l'Esprit exécute. L'homme de l'Esprit qui est la troisième personne de la Trinité. Si le Père est amour, Jésus est sauveur, lui il est l'exécuteur, l'agent finisseur des choses. Si tu crois que nous sommes au temps de l'agent, nous sommes au temps de l'Esprit. Cela veut dire aussi, c'est le temps de la matérialisation des promesses de Dieu. Ce n'est plus le temps d'entendre parler de l'Esprit, mais c'est le temps de vivre l'Esprit. Ce n'est plus le temps d'apprendre ce que l'Esprit a dit ou a fait. C'est le temps de dire ce que l'Esprit a dit et de faire ce que l'Esprit a dit. L'Esprit était là depuis toujours. Mais à la Pentecôte, l'Esprit a pris les délais. L'Esprit est entré à l'œuvre. Mais il n'y avait pas à l'œuvre avant si il était. Mais à la Pentecôte, il y a eu un shift de l'œuvre. Il y a eu un changement. Il a monté un niveau. C'est-à-dire Dieu a libéré la totalité du Saint-Esprit sur le monde. C'est-à-dire à la création, il agissait peut-être à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de Dieu ou à l'ombre de Christ. Mais maintenant, le Saint-Esprit est au clair. Celui qui est en premier rang, celui qui est en avant-plan, celui qui agit, tu ne peux pas avoir une vie chrétienne aujourd'hui comme une vie chrétienne de Jacob, comme une vie chrétienne d'Adam, comme une vie chrétienne de Jonas. Non. Et ils ont vécu l'ombre des choses à venir. Ah. Ils ont dit des choses qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne réalisaient pas. Ils ont annoncé les temps qu'ils n'ont pas vécu. Ils ont parlé du Saint-Esprit sans les connaître. Mais pour qui vit ces temps de la chasse, si tu vis comme Abraham ou Sarah, alors tu es en déphasage du temps. Parce que
ce que Sarah avait entendu, pourquoi Sarah yoka, toi tu l'as dit, yoko omika yango. C'est Abraham avait espéré, maie abalaya l'esprit l'a mis à table. L'esprit est en train de servir maintenant. C'est le temps de l'esprit. Le temps où l'homme a est en train presque dans son dernier repos. La preuve avec étant l'esprit s'élève la chair diminue. Voilà pourquoi les œuvres, les capacités, les patrons humains est en train de disparaître parce que l'esprit est en train de monter en niveau. Vous remarquerez que là où l'homme était fort, là où l'homme est tombé aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui entre à l'aide. Au moment de la vie, quand vous prenez vos cas, vous savez maintenant si vous voulez vous dire. Vous remarquerez la montée de l'occultisme, la montée du spiritualisme sur la terre, tout simplement parce que la lutte, la guerre n'est plus au temps passé. La guerre maintenant, c'est la guerre des esprits. Nous ne combattons plus dans la chair. Mais même le combat est à vie. C'est plus dans la chair. C'est maintenant dans l'esprit, rituel dans l'esprit. Écoutez, les diables cherchent à rendre l'esprit des hommes captifs. Il lui propose les choses pour les distraire. Il peut te laisser en bonne santé. Il peut te laisser passer des classes. Mais il capte ton esprit. Les hommes deviennent de plus en plus faibles en esprit. Le niveau spirituel des choses. Et puis de l'homme à mon livre dans ma campagne. Fait que l'enfant de Dieu. Et c'est de quoi dans la table. Va savoir. Et c'est qu'il y a Eva. Qui n'a plus sa place dans les champs de la terre. Avec une incitation et une incitation à Vitouba. Jésus a dit je m'en vais. Ils ont dit n'a guéri. Moi qui vous menais vers les champs de la terre. Vous étiez avec moi quand il fallait lutter contre les parents. Contre les affaires. Maintenant moi je passe. Mais je vous laisse pas seul pour que vous alliez seul. Je vous enverrai quelqu'un. Lui, il est comme moi. C'est mon semblable. Dès que Jean-Baptiste avait dit, je vais essayer d'ouvrir vers le courroie de ses sandales. Jésus a dit, celui-là aussi, vous ne pourrez le faire. Il est comme moi. Parce que les gens en train de dire, nous croyons à la Trinité. Il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes. Un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Ça m'étonne que cette discussion de l'histoire d'année continue à être sur la table. Et pour les Et je ne participe pas dans une émission par téléphone. Ou quelqu'un était sur le plateau et en train de prêcher pour Dieu. Et je lui ai posé la question de savoir comment il s'appelait. De qui il était fils. Je lui ai dit, quand tu parles, tu es une personne. Quand tu penses, tu es une autre personne. Quand tu ignores, tu es une autre personne. Quand tu agis par sentiment, tu es une autre personne. Toi seul, tu peux avoir plusieurs facettes. Mais je lui ai dit, pourquoi que l'homme est créé à l'image de Dieu? Il répond par l'affirmation. Et je lui dis alors, si l'homme a l'image de Dieu, nul n'est besoin de polémique. Regarde Dieu au travers de l'homme. L'homme a un corps. Il a un esprit. Il a une âme. Alléluia. Quand on dit une personne sorcière ou spirituelle, il peut sortir de son corps. Il est lui. Son âme se tiendra devant le trône
Son esprit le représentera dans l'éternité. C'est toujours lui. Si tu crois qu'un sorcier pénétrerait là et sortir de son corps pour aller en sorcellerie, alors crois aussi qu'il y a un seul Dieu qui peut libérer son esprit, qui peut libérer aussi son fils. C'est le même Dieu. Et pour le salut, il a regardé dans les cieux, il a regardé sur la terre, il a regardé sous la terre, l'Esprit était là, Jésus était là, mais lui-même dans sa divinité, dans sa souveraineté, il a libéré les fils. Et dans le temps de la fin, puisque le diable sait que bientôt il sera enchaîné, il libère les démons du monde dans ce train. Il libère la puissance par l'ennemi. Alors Dieu aussi regarde dans les cieux. Il regarde sous la terre. Il regarde à gauche. Il voit les fils assis sur son trône à sa droite. Il les laisse, il dit, tu as déjà combattu les bons combats. Et c'est ton rapport de stage. Il est dit ceci. Mais voici Père. Alors tout ce que tu m'avais donné, je n'ai pas permis aucun d'eux. Si c'est né, les fils de la perdition. Et Dieu dit, toi tu es déjà perdu. Il libère son esprit. Viens dans le Seigneur. Enfant de Dieu. Jésus n'est plus sur la terre. Pour défendre quand on fait couper l'oreille de quelqu'un. Pour se dire, mais voici, arrêtez-moi. Jésus n'est plus là pour multiplier les gars. Jésus n'est plus là pour la pêche miraculeuse. Jésus n'est plus là pour aller ressusciter les gars. Mais Jésus a envoyé son esprit. Il n'a pas écrit de juridique. Quel Jésus était visible, quel en ce temps de la fin, le Saint-Esprit doit l'être. Le Saint-Esprit doit l'être. C'est-à-dire ce que Jésus a fait, le Saint-Esprit le fera. Il fera même plus. Parce que Christ l'a dit. Vous en ferez même de plus que ce que je fais. Alors l'enfant de Dieu ne doit pas se considérer comme un orphelin. Il ne doit pas vivre sur la terre comme si Jésus n'est pas à côté de moi. Et c'était comme dans mon kilo. Je peux pécher. Je peux voler. Je peux fumer. Je peux faire n'importe quoi. Et puis j'irai à l'église. Confesser ou me repentir. Non, ça c'est méconnaître la présence de l'Esprit sur la terre. Comme Jésus marchait avec les disciples, quel est le Saint-Esprit marche avec toi? Quel Jésus reprenait les disciples, quel est le Saint-Esprit te répond? Quel Jésus pourvoyait aux besoins des disciples? Quel Saint-Esprit pourvoira à tes besoins? Si tu crois que l'œuvre de Dieu va de gloire en gloire, raison de plus pourquoi? D'après l'œuvre du salut et de Simon, l'œuvre de la plénitude du Saint-Esprit sera au-dessus. Mais il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème d'immédiateté. Parce que le Saint-Esprit est mal compris. Il est mal appréhendé.
consulier ma vie. Alors qu'il y a un risque grave. Soukandé, les alliés même à plus grave encore. Ma casse pour les calissous. Les gens ont blasphémé sur Jésus. Ils ont été sauvés même à la veille à la croix. Mais concernant celui qui vient après Jésus, la Bible ne permet aucun blasphème. Tout blasphème sera pardonné. Mais sauf le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Voilà les motivations qui sont notre pour tenir ces journées, ces mois du Saint-Esprit. Mais cela n'a pas commencé aujourd'hui. Allons dans la Bible, je vais avoir un lecteur. Acte 19, verset 2. La Bible, acte, au canal de Saint-Valentin, comme on a été là-bas, faisons. Rapidement, s'il te plaît. Frère Jonathan, sois là avec la Bible. Quand on donne un verset, tu cherches déjà et puis tu lui donnes pour lire. Acte 19, 2. Acte 19, 2. C'est un enseignement riche. Tu dois écrire. Et ton cas, prends ton téléphone et un bloc notes tu peux écrire. Ce sont des choses qui vont t'aider, c'est une richesse pour toi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Et nous allons dire, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint, un Saint-Esprit. Qui a déjà entendu qu'il existe un Saint-Esprit? Qui a déjà entendu qu'il existe un Esprit Saint? Ah, vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit. Gardez un peu les mains au-dessus parce que ça va nous donner du travail. Qui n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit? Mon frère, tu ne connais pas le Saint-Esprit? Pardon? Tu connais que tu n'as pas les deux? Donc tu doutes déjà. Est-ce que je le connais vraiment? Je repose la même question que Paul. Qui a déjà reçu le Saint-Esprit? C'est pas toutes les mains qui sont levées. Alors je pose la question autrement que Paul. Qui a déjà reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur? Ah, là les mains s'ajoutent. Là les mains s'ajoutent. C'est ça le réel problème. Qui existe dans les chefs des enfants? Il y a des saints qui croient que le Saint-Esprit, c'est un esprit à part Jésus. C'est un esprit en dehors de Christ. Il y a des gens qui pensent que dans la marche avec Dieu, la première étape, certes, c'est de recevoir Jésus. Et puis avancer après recevoir le Saint-Esprit. Je me pose la question de savoir quand est-ce qu'on a reçu Dieu maintenant. Qui a déjà reçu Dieu? Il n'y a pas d'âme. Là, il n'y a pas d'âme. À quoi? 2, 3, 4. Quoi? Donc, toi là-bas, tu as déjà reçu Jésus. Yo, soy a Jésus. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit de Dieu. Donc, toi, tu as pris une épée. Yo, suis de... Tu as divisé Dieu en toi. Donc, ton Jésus là, est déjà mort. Ou si toi qui as dit que tu as déjà le Saint-Esprit, mais tu n'as pas Dieu. C'est un Saint-Esprit mort. Alors, est-ce que je t'ai expliqué? Si toi tu es trois personnes, si en toi tu as trois personnes, tu as toi que je vois, tu as ton âme qui est en toi, et tu as ton esprit qui est en toi. Mais tu viens vers moi, tu me dis non, moi je
seulement l'esprit de glorie. Arrière de moi, Satan. Où est le corps de glorie? Où est l'âme de glorie? Je voudrais vraiment que tu comprennes ce mot et que ta vie change. Comment est-ce que tu as Jésus? Mais tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que tu vas marcher avec ces dieux? Voilà pourquoi c'est Dieu où cet esprit ne te parle jamais. Parce qu'un mort ne peut pas parler. Voilà pourquoi c'est Dieu que tu as reçu sans ses attributs ne sert à rien. Paul a rencontré ce problème à Corinthe. Il est parmi les enfants de Dieu. Lui aussi il est enfant de Dieu. Mais il ne comprend pas. Il sait une différence. Oh. Ces gens sont des magnolias ou ils sont des chrétiens. Il a dit non, nous sommes des vôtres. Paul dit non. Je sens une différence entre ma façon de vivre ma vie chrétienne et votre façon de vivre la vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule différence en ces temps de la fin qui détermine, qui fixe, qui définit un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Écoute la réponse de ces gens. Paul ne l'exagère pas. Mais nous ne donnons pas des enseignements compliqués. Nous sommes des chrétiens. Mais nous n'avons même pas entendu un jour qu'il y ait un Saint-Esprit. Maintenant que toi qui es là, par toutes ces explications, tu commences à comprendre. Voilà comment des gens sont des chrétiens. Mais ils sont un esprit mort en eux. Ils ont un esprit emprisonné en eux. Ils sont un esprit qu'ils ignorent. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier de mère et d'enfant, c'est-à-dire qu'il est ignorant. Il vit comme un esclave. Et pourtant, le jour où tu reçois Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, tu reçois Dieu, tu reçois les saints. Jean chapitre 3, verset 6. Et puis quelqu'un d'autre prépare Romains 8, 9 à 10. Jean chapitre 3, le verset 6. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le Jésus que tu reçois est esprit. Tu dois naître de l'esprit. Et tu dois être l'esprit. Romains 8, 9 à 10. Romains 8, 9 à 10. Romains 8. Beaucoup de gens n'ont pas de vie. Pourquoi apporter des vies? Autant que nous avons le bouton de vie en elle. Être comme les chrétiens lumineux. C'est au nom de Jésus. Amen. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ,
qui ne lui appartient pas. Et 10, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. À cause de la justice. Si Christ est en vous, son esprit sera aussi en vous. L'esprit qui est en Christ, c'est l'esprit qui est en Dieu. Et c'est celui que nous appelons le Saint-Esprit. Lorsque tu invites l'un d'entre eux, tu lui donnes une invitation pour ton mariage, pour ton anniversaire. En réalité, tu invites qui? Tu invites mon corps. Mais mon corps ne sait venir vers toi laissant l'esprit et l'âme. Parce que tout le monde a pas. Parce que vous m'avez compris. C'est-à-dire quand tu invites un sorcier, tu invites le corps du sorcier. Et quand vous avez obéissé à l'autre, obéissé à tout le monde. Mais il n'y a pas de l'autre, 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 il n'y a pas de l'autre. Quand je viens dans ce mariage, il vient avec sa sorcellerie. C'est l'esprit qui est en lui. Mon lit, mon lit, est-ce qu'on se comprend? Le Saint-Esprit ne se dissocie pas de Dieu. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne vivras jamais une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne vivras jamais les œuvres du Saint-Esprit. Pour utiliser au maximum une chose, pour bénéficier au maximum d'un homme, d'une personne, il faut des choses. Premièrement, il faut les connaître. Et pour les connaître, personnellement, il faut les étudier. Et c'est que pour l'aider. Connaître, oui. Tu connais le pasteur Dieudonné. Mais si tu ne m'étudies pas, tu ne m'observes pas, tu ne connaîtras jamais les attributs qui sont en toi. En tant que parler du Saint-Esprit, quand je pose la question de savoir qui connaît l'Esprit, mais qui a déjà sondé l'Esprit, c'est vrai. Et si à côté d'un mosquito, il y a qui cherche à comprendre l'esprit, nani, à ce que tu as couru, moli, moné, nani. L'esprit que tu connais, là, l'esprit de Dieu. Moli, mon anzambo, yo yébi wana. Si tu le connais, soko yo yébi. L'as-tu déjà étudié ou sondé? Et si on vient pour la yéto, on compte d'un mosquito. Le connaître seulement ne suffit pas pour que tu bénéficies de tout ce qui est en lui. Moi, il y a kaka. Je connais ce monsieur qui habite mon avenir. Mais le connaître ne m'apportera rien. Mais le jour où je le sonde, les jours où je l'étudie, je me parlais de ah non, tu vois ça fort en anglais. Alors que moi je souffre à l'école à cause de l'anglais. Et cette connaissance, lorsqu'il m'amènera vers lui, je tirerai au maximum ce que j'ai étudié. Est-ce que tu es avec moi? Connaître-tu le son? Mais sonder avec une autre. Et quand tu le sondes, c'est là où se cache beaucoup plus la faiblesse de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent être dans l'imaginaire. Dans le sensationnel. Tu le Saint-Esprit là, touche, libère. L'Église ne termine pas vraiment du Saint-Esprit. Pourquoi tu demandais qu'il nous touche? Pourquoi tu disais que le Saint-Esprit monte dans la salle? Lorsqu'il se meut,
eux. Qu'est-ce qu'il y a qui? Est-ce que tu as déjà prié dans ta maison? Lors d'une oppression, si tu invites les saints, tu inviteras les saints de Saint-Esprit à ta guérison. C'est ça la raison des saints. Connaître les Saint-Esprit et ses attributs, chaque fois qu'il y a des cours de prière, produiront des grands effets. Et que ça la je suis dans telle situation. J'invite le Saint-Esprit. Par rapport à quel attribut? Quand est-ce que je lui demande de me toucher? J'entends les gens prier. Touche-moi. Touche-moi, fais-moi des biens, alors quel géant est devant lui? Manifeste-toi, Esprit. C'est devenu des slogans. Et comme il n'y a pas l'opin à pourquoi, c'est devenu des citations. L'Esprit qui est en Dieu. Dieu Jésus qui est en Dieu. A des attributs. Le Saint-Esprit aussi. A ses attributs. Ton corps n'est pas seulement pour la beauté. Tu utilises suffisamment ton corps. Parce que premièrement tu le connais. Et deuxièmement tu connais les attributs de ton corps. Tu utilises cette main parce que tu sais à quoi il sert. Si tu veux te gratter au dos, tu n'utilises pas les mêmes doigts qui sont sur ton pied là. Tu ne les utilises pas pour gratter les doigts. Mais parce que tu connais, qu'est-ce que je dois utiliser en ce moment où j'ai mal au dos? Et quand tu as mal à mon congo, quand tu commences d'abord, c'est à ce moment-là que tu commences. Je vais utiliser quoi? Je vais t'apprendre pour À suivre déjà, à dire. Je suis trop bas, mais je ne peux pas faire des choses que je tiens. Mais c'est lui qui sait. Dès que je suis piqué au cou, il ne réfléchit plus. Ça devient ce qu'on appelle les réflexes. Quand la vie spirituelle atteint le niveau des réflexes spirituels, aux hommes en langue. Tu gagnes même un temps. Tu n'as pas besoin d'être génué. Alors que les réflexes sont instinctifs. J'entre quelque part, je trouve l'obstacle. Quand tu cries Jésus, qu'est-ce qui t'a dit que tu vas crier Jésus pour mon démon? C'est la connaissance que tu as du nom de Jésus. Tu n'as pas réfléchi. Tu as tellement intériorisé ça. Le nom de Jésus, c'est le plus grand nom. Le nom qui connaît. Tu as ça en toi. Maintenant, quand tu seras devant un avocat, un magistrat du monde, c'est pour ça que vous allez bosser. Et tu ne veux plus. Mais et que tu n'as pas de défense à ces instants. Si tu connais les attributs de l'esprit, tu n'as pas de l'esprit. Tu libéreras juste un mot. Tu ne réfléchiras pas. Tu ne vas pas donner mon 48 heures pour que je parte réfléchir. Quand tu prends 48 heures, c'est que tu as donné aussi à tes ennemis 48 heures d'abord. C'est mon principe. Tu n'as pas compris. C'est ça l'esprit spirituel. Les
démon vient aujourd'hui te prendre. Ma démon a baillé le mal. Fini au kimo. Parce que je ne sais quoi. Il te laisse, il part. Ma tiki au peu au bagé. Tu dis, c'est maintenant que je dois aller en retraite. On le dit des cicaux et c'est des mecs qui n'ont rien à dire. Mais le temps que tu vas en retraite. Ça vaut mieux au congé de moi, non. Il y a cette émo, ou bien c'était. Il réfléchit aussi à la nouvelle stratégie. Donc il a de l'avance sur lui. C'est ça le manque de connaissance et la faiblesse des enfants de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Quel est son rôle? Ce qu'il n'est pas, le Saint-Esprit. Confère l'affermissement de son numéro 8. 1, 2, je crois. Il n'est pas une puissance. Quand il y a besoin de la puissance, n'appelle pas le Saint-Esprit la puissance, et la puissance vient, et le Saint-Esprit vient. Il n'est pas une simple bénédiction de Dieu. Il n'est pas une influence mystérieuse ou une cette sensation-là. Pourquoi le Saint-Esprit là-bas? C'est ça le Saint-Esprit. Non. Il n'est pas ça. Il peut être là comme l'eau du lac. Sans faire un mouvement. Sans gémir. Mais il est là dans toute sa force. Pour écouter le Saint-Esprit comprendre. Matasso, louange. Eya, Asoya, Asita, Mbeta. Non. Quand il est là. Quand il est là, si tu le connais, tu sais qu'il est là. Tu n'as pas besoin qu'on remonte la manivelle. Ce qu'il est, confère toujours l'affermissement, point 2. Il est une personne en Dieu. Il vit en nous. Il nous conduit. Il parle. Il entend. Il annonce. Il révèle des choses. Il nous enseigne. Il est Dieu. Il n'est pas la puissance, mais il est le tout-puissant. Il existe parmi nous. C'est-à-dire, il n'est pas une fiction. Si tu crois que Dieu est là, automatiquement tu dois croire que l'Esprit est là. Si tu crois que Jésus est là, automatiquement, même si on te ferme les oreilles, sache qu'il est là aussi. Premièrement, tu dois connaître une chose. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et bénéficier de ses services sans même connaître ses appellations, son nom. Beaucoup de gens connaissent la bêtise. Il est à l'église pendant des années. Il ne se soucie même pas pour connaître les noms des pères ou des pères. La première porte qui s'ouvre dans ta vie, c'est connaître d'abord le nom de la personne. C'est la première clé. Tu as besoin du transport. Pour vous dire, frère, n'a pas. Un frère, c'est ça le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? Amen. C'est ça le Saint-Esprit. C'est un gentleman. Des fois, on peut dire en langage humain, il est trop capricieux le Saint-Esprit. Je peux dire, c'est la part
de l'esprit, les divers noms utilisés pour qualifier le Saint-Esprit de Dieu, c'est déjà un pas vers une vie commune avec lui. Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit n'est pas forcément appelé Saint-Esprit. Il n'est pas forcément écrit le Saint-Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. Basiquement, d'une manière basique, confère toujours les affirmations que tu nous as faites. Basiquement, on donne 10 appellations du Saint-Esprit. Dans la Bible, il est souvent appelé l'Esprit de Dieu. Quand il dit dans la Bible, on dit l'Esprit de Dieu les saisit. On va parler du Saint-Esprit de Dieu. Souvent dans l'Ancien Testament, tu trouveras l'expression l'Esprit de l'Éternel. C'est toujours le Saint-Esprit. Il est aussi appelé désormais l'Esprit de sainteté. Les consolateurs, les paraclés, l'Esprit de Jésus, comme on l'avait dit. L'Esprit de gloire, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Il est aussi appelé basiquement l'Esprit du Seigneur. Ça, ce sont les 10 expressions que l'on donne généralement dans les enseignements d'affermissement pour les gens qui veulent commencer cette vie de marche avec le Saint-Esprit. Mais dans les profondeurs, dans la Bible de Genèse à Apocalypse, on réunit 37 expressions qui qualifient le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'en ai donné 10 petits à petits, je vais vous les donner. Donc, prenez pendant ces mois, sache que quand tu lis la Bible, il n'y a pas que ces 10 expressions où on peut parler du Saint-Esprit. Il y a au moins 37 appellations dans la Bible qui veulent dire le Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, je te donne encore une richesse. Beaucoup de gens ont écrit dans des livres et ont commis des graves erreurs. Ou soit c'était basique aussi pour essayer un peu d'aider les gens à avancer. La Bible n'a pas été écrite en français. La Bible, dans ses écrits authentiques, ne respecte pas les grammaires françaises. Ni la conjugaison française. Parce que souvent, les gens qui pensent que. Oh, moi, merci, Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que moi je vais apprendre? Quand j'ai lu dans la Bible, déjà, je vois l'Esprit. Si l'Esprit, les E est en majestique, c'est l'Esprit de Dieu. Si les E est en ministère, c'est l'Esprit des hommes. Même moi, je marchais avec cette base. Je l'ai dit, c'est basique. Ça nous a aidé à grandir. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu grandisses. Quand tu lis la Bible, aujourd'hui, avec la multiplicité des versions, aujourd'hui, avec surtout les Bibles électroniques que vous lisez, tu peux avoir, parce que dans les caractères, dans ce qu'on appelle la police, en informatique, c'est-à-dire la police n'arrive pas à l'ordre modèle. Écrit-il dans le modèle Taoma, New Roman, dans les niveaux informatiques. On appelle ça la police. Il y a des polices où il n'y a pas de magistrats aussi. Imagine un peu que tu as cette Bible-là, où on a écrit si ça taille New Roman, où il n'y a pas de magistrats. Comment connaître maintenant que l'esprit qui est écrit là, c'est l'esprit de Christ? C'est là où les gens font fausse route, même quand ils interprètent la parole,
Il parle du Saint-Esprit comme un esprit de l'homme. Cela n'est pas du tout l'écoute accomplie comme règle pour reconnaître les textes qui parlent de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de l'homme. Mais qu'est-ce faire? Reste dans le contexte du texte pour reconnaître le nom parle du Saint-Esprit dans la Bible. Reste dans le contexte du texte. Parce que tout texte hors contexte est un non-sens. J'ai interdit de prendre des portions des versets. Oh, l'Esprit avait dit avec l'Esprit de Saoul. L'Esprit du diable aussi parle. Et des interprétations isolées des textes. Oh, la séparation. Prenez les textes et remettez-les dans le contexte. Tu sauras que ça, c'est l'Esprit de l'homme. Et le Saint de Dieu. Deuxième chose. Connaître le nom d'une personne ne veut pas non plus dire que l'on sait ce qu'il est capable de faire. Il faudra alors connaître aussi ses attributs. Les chefs de l'État de la RDC s'appellent quoi? Je m'arrête là. Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi nous suivons les informations? Pourquoi nous regardons les biographies? C'est pour connaître mieux la personne. Connaître qui s'appelle sœur Kingandi ou frère Kingandi ne veut pas dire que tu le connais suffisamment et tu sais de quoi il est capable. Alors ne juge pas, ne condamne pas quelqu'un que tu connais que par nom. Connaître ses attributs. Basiquement, beaucoup de chrétiens ne connaissent que quatre attributs du Saint-Esprit. Généralement, c'est trois attributs. Et moi, dans les affirmations, j'avais ajouté un quatrième attribut. Mais strictement, on connaît le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Deuxième attribut, il est omniscient. Troisième attribut, il est omnipotent. Quatrième attribut, il est souverain. Mais le Saint-Esprit ne s'arrête pas que dans ces quatre attributs. C'est un enseignement omniscient. Si tu veux connaître l'omniprésence de Dieu, c'est dans Psaume 139, 7 à 8. Psaume 139, 7 à 8. L'omniscience de Dieu, Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. L'omnipotence de Dieu, Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Non, on ne lit pas, on va vite parce que j'ai dit. Je l'ai dit assez libre. Sa souveraineté, 1 Corinthiens 12, 11. Vous avez naillé 1 Corinthiens 12, 11. Mais dans les recherches, dans les profondeurs, dans la maturité des types bibliques, approfondi, on a retrouvé plutôt 24 attributs que l'on donne au Saint-Esprit. Ainsi, pendant ces trois semaines, le mercredi, le jeudi, le vendredi, nous parlerons par jour, avec la grâce de Dieu, d'au moins trois attributs. Ça nous fera 8 jours sur les 9, donc même si on ne termine pas les trois attributs, on a un jour de vie, on pourra toujours les rattraper. Mais par attribut, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons parler des tâches de l'esprit.
ces missions sur la terre, ces manifestations, ces œuvres, son rôle dans nos vies. Il est là pour moi. C'est un point de plus pour moi. Pourquoi Dieu a dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair? Pourquoi Dieu a dit, mais fou, recevrez une puissance? Pourquoi il a dit, le Saint-Esprit survenant en fou? Il a fait quitter l'étape d'être avec nous. Alors, j'avais déjà prêché ici les trois dimensions de l'esprit. Mais Dieu dit la troisième dimension, il sera en fou. Il ne marchera plus avec vous. Il ne restera plus sur vous. Il vit désormais en vous. Il est là dedans dans vous. Prenez appui rapidement. Romains chapitre 8, verset 27. On lit rapide. Le premier attribut du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Mm-hmm. Parce que c'est au Dieu qui intercède en faveur des saints. En faveur des saints. Il est dans les saints. Quel est le premier travail qu'il fait? Il intercède pour les saints. Bien-aimé, les premiers attributs du Saint-Esprit en ce temps de la grâce. Le Saint-Esprit intercède constamment pour toi. Pas devant les diables pour se battre comme au temps de l'ange Michael. Non, c'est très révolu. Le Saint-Esprit ne discute plus ton corps avec le diable. Le Saint-Esprit n'est plus en parole avec un esprit. Le Saint-Esprit s'est positionné devant les trônes. Il est devant les trônes de Dieu, pas pour autre chose. Il est là comme ton avocat. Je ne sais pas si tu comprends la profondeur de la chose. Qui peut défendre ton cas devant Dieu? Qui peut plaider devant Dieu et vaincre? Qui peut arracher un pardon de Dieu? Abraham intercède pour l'autre. Et le Seigneur m'a permis d'aller droit au but. Il a tergiversé. Si tu trouves autant de justes, ne pourras-tu toujours cette vie? Ça, c'était autant d'Abraham. Malheureusement, nous n'avons pas un chef de famille qui intercède pour nous. Nous n'avons pas un procès sur la terre. Tout ce que tu fais sur la terre, bonne ou mauvaise, y a un avocat auprès du Père. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je vois que toi, tu es monté. Dans ces temps de l'affaire, l'enfant de Dieu fait face à un accusateur. C'est le cas de Job. Job vivait tranquillement sur la terre. Mais au ciel, il s'est passé des choses. Mais Job n'avait pas un intercesseur. Il n'avait pas un avocat. C'est qu'il ignorait. C'est que puisqu'il était juste, il avait un avocat qu'on appelle avocat d'office. L'avocat d'office, ce n'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui le choisit. Maman, vous voulez aller à la stade.
tu es pauvre, tant que tu es condamné, tu as ma cala, tu as failli sous nos lions. Tu as failli sous nos lions, tu as failli nos lions. Tout le monde peut t'abandonner, sauf la femme. Si tu n'as pas d'argent pour payer l'avocat, l'État sera contraint. L'État est à cause de obligé à côté de trouver celui qu'on appelle un avocat d'office. Il y a aussi là, mon sang béni. Pourquoi l'État le fait? Pour dire l'État, parce que toi, pour dire yo, tu lui appartiens. Amen. Amen. Yes. Amen. C'est ça le premier tribut du Saint-Esprit. Quand les chrétiens murmurent, quand ils pleurent, quand ils se donnent la mort, quand ils pensent que tout est fini, auprès du trône, tu es un avocat d'office. Tu peux tout manquer. Tu peux tout perdre. L'avocat d'office, même quand on est coupable. Citoyen du ciel. Quand tu es sur la terre, tu es congolais. Tu es citoyen du Congo. Même quand on t'amène à Makala, on ne te condamnera pas sans l'avocat d'office. Et au ciel, le premier attribut du Saint-Esprit, il est là pour moi. Même quand tout le monde me connaît, Nasa innocent. Je n'ai plus quelqu'un pour m'aider. Mon père est mort. Ma mère est morte. On nous a tout arraché. Je suis allé dans mes tribunaux, dans mes parquets. Aucune solution. Je me tourne vers les cieux. Je dis, oh Esprit de Dieu, défends ma cause. Je m'arrête là. C'est ça. Un enfant de Dieu qui connaît les attributs. Et là, tu n'as pas besoin de beaucoup de prières. C'est pourquoi la Bible dit, ne multiplie pas de jeunes paroles. L'Ikamou, elle s'est dit, mère, la vie soit en alerte. Papa, c'est que tout le monde est en alerte. Général, ma famille a santé. Famille a foca santé. Mais je suis chrétien, pourquoi? Pourquoi j'ai donné ma vie à Dieu? Pourquoi je suis citoyen du ciel? J'utilise ma cartouche. Le ciel agira. Car Job a utilisé sa cartouche. Il s'est réveillé, il a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Il n'est pas encore levé. Mais il s'est levé là. Même en dernière position. Yes. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous prêcher. Au début, il va dire, non, on va être là-haut. Il y a beaucoup fini sur mon livre. Jésus est parti. Mon livre a dit, Jésus a dit. L'église du temps de la fin n'est pas une église faible. L'église en attendant le sujet, l'église en attendant. C'est l'église du Saint-Esprit. Et ça, l'église en attendant mon sang. Allez dans les pays anglophones. Quand on écrit dans un mille, église du Saint-Esprit, l'église dans mon livre, ce n'est pas une blague. Et ça va Parce
pasteur, on a un dans l'église nigérienne. Pourquoi les miracles sont perdus dans l'église anglophone? Pour nini, dit qu'on a laissé ces choses. Moi, si à côté à côté, je suis en valise, je suis en valise, je à la TV, la manette a mis ma terminité et qui. Alors, c'est la même chose. Vous avez dit que Christ est un kilomètre. Cette année, femme stérile. Pendant 6 mois dans la montagne de l'église, dans un kit, 3 babots. Ça, ils savent que ce n'est pas au pied de l'homme. Ils savent qu'en ce lieu, il y a un esprit. Qui craignent dans les vies. Nous venons à l'église sans connaître où nous allons. Donc, vous l'église à vous nous invoquons le Saint-Esprit pour vaincre et vaincre sans savoir quel est l'esprit que nous avons. Donc, vous le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand on prie, on dit d'abord au monde, quand on s'appelle. C'est-à-dire, j'invoque l'esprit de la maternité, celui-là invoque l'esprit souverain. Celui-là invoque le consolateur. Celui-là, il a un problème au parquet, il invoque son avocat. Nous maintenant, prions tous le même esprit. Parce qu'il a 24 après-midi. Le Saint-Esprit a comme deuxième après-midi. Il est l'agent consolateur de Dieu. Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. 1 Jean 2, 1. Jean 16, verset 7, nous disons le nom de Jésus. Mm-hmm. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Mm-hmm. Jean chapitre 7, verset 7. Verset 7. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous y a partagé que je m'en aille. Mm-hmm. Car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mm-hmm. Mais si je m'en vais, mm-hmm. je vous l'enverrai. Ok. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous enverrai qui? Les consolateurs. Bien aimé, Jésus. Était une grande consolation pour les Juifs. Les Juifs étaient en captivité. Ils étaient sous la domination romaine. Ils avaient lu dans la Bible. Ils attendaient un consolateur. C'est pourquoi ici est mort et le roi des Juifs. Parce que ce que les Juifs attendaient, c'était un roi libérateur. Ils attendaient un nouveau Samson. Oh, ils attendaient Azur et Rode. Azur, ils se disent, non, César. A qui est-ce qu'il va voir, qui va mourir. Le roi, qui compte, a dit, ils sont à boulot. Mais le consolateur est venu comme un agneau. Mais les gens ont crié à sa consolation. Les gens comme les pierres, des tomates, ils ne pouvaient pas rester sans Jésus. La première année que quand il est mort, ils sont allés s'enfermer. Dans la porte de Dieu, il y a un fils qui lui parce que tant que Jésus était avec eux, nous dansons ma visoire. A confié ma bombe. Vous n'avez pas pris, il prenait même les choses des gens. Jésus et Pierre. C'était leur consolation. Des gens qui manquaient tout dans la société. Et même sur cette terre, Jésus le savait. Que ma corona est bonne. Que ma maladie à ma casse est bonne. Il y aura un temps où il n'y aura pas de travail. Il y aura un temps où la nourriture. On disparaîtra. Face à des souffrances, il y a des souffrances dans la vie dont on souffre. Où tu regardes les paroles des hommes ne valent plus rien. Une fois j'ai causé avec un frère. Je le voyais toujours triste à l'église. Il suivait des fois des prédications. Il se lève, il fait ça avec sa Bible. Il pleure, il verse des larmes. À la fin, il sort. Un jour, c'était, je crois, à la Pâque.
la célébration de la Pâque, un dimanche de tard, on a fini. Embrassez-vous, saluez-vous. Je suis approché de lui. Ce jour-là, il était joyeux. C'est embrassé, j'ai pris son numéro. Il a souri, il a dit, frère, je suis là. Un jour, je suis allé le voir. D'abord, quand je l'appelais, il ne voulait pas que j'arrive là où il habitait. Il me dit, attends-moi, là, au point là. Mais moi, j'avais son papier au laboratoire de ça. Bon, il avait des nouveaux billets. J'avais l'adresse. Et quand je surgis dans la barcelle, je l'ai trouvé en train d'épiler les bonos. Il était brisé quand il m'a vu. Il était humilié. Il a quitté sa vie. Il avait, je ne sais, il ne rappelle pas. Comme s'il avait un pain. Alors, si on le voyait, il a gagné quelque chose déjà pour lui, il aurait aidé avec son pantalon. C'était un bel homme. Il parlait très bien français. Quand il m'a vu, il ne savait plus faire descendre les mortiers. Moi, Dieu m'a donné une souplesse dans ces choses comme ça. Dans Jean-Pierre, j'ai bien dit, je fais comme si je ne vois même pas du boga. Bon, j'étais un confrère, ça va, je ne suis pas sérieux. Il répondait. Directement, je l'ai arraché les mortiers. J'ai commencé à piler. J'ai vu maintenant des gens sortir de la maison. Des filles et des femmes. C'était comme un homme de page. Donc il piquait les pommes dans une maison où il y avait plusieurs filles. Tout un peu ici pour nous. Pas si, peut-être que pas si, à l'humanité. Et moi j'étais connu dans les quartiers, j'étais un peu moins hier. J'étais connu. Toutes ces filles-là me connaissaient. Est-ce qu'on va connaître la paix? Là, pour tout un peu. En réalité, je les consolais. J'étais en train de lui passer un message. Et un amour. Il s'est mis à pleurer. On a fini. J'ai vu une dame, certainement la maman de la maison, venir prendre les bonbons et partir. Et une autre fille sortir lui dire, quelle est notre église? Quelle est notre affaire? Et je sortais avec lui. Juste à l'église, on avait 10 mots. Il n'y avait pas de paroles. Au même Seigneur. Il y a des situations où même la parole de Dieu, au bon moment, on est inefficace. Il y a déjà appelé pour prier pour son père malade, parce que c'est le seul espoir de la famille. Et tu viens, une fois tu pries, tu leur dis, sois calme, le Seigneur va les guérir. Tu pars, tu reviens, tu pries, tu dis, non, Dieu va les guérir. Le troisième jour, quand tu pars en affaire, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas fabriquer une autre Bible. Vous savez, déjà dit que l'Éternel a dit. C'est là où intervient le Seigneur. Quand tu es brisé au fond de toi, quand tu sens qu'il n'y a aucun mot, le mot ne savent plus exprimer quelque chose, invite le Saint-Esprit. Au lieu de parler, ferme des yeux, invite-le. Je l'ai déjà expérimenté. C'est là où tu sentiras, c'est là que c'est déplacé dans la vie. Souvent, ça peut même t'amener dans un petit sommeil. Et t'amène seulement dans son monde de consolation. Un
quand il va te réveiller, ma force revenir. Il a dit, je m'en vais, je vous enverrai un autre, un consolateur. Retenez ici, j'ai dit, c'est un agent. Non, dans cette attribut, il est un agent. C'est-à-dire Dieu l'envoie. Il envoie un consolateur auprès des opprimés. Là, il te rend capable de supporter l'insupportable. Il y a des choses que sans le Saint-Esprit, quel que soit ton niveau de spiritualité, que tu ne sauras jamais supporter. Ce n'est pas que tu veux abandonner. Toi-même, tu sais que je ne peux pas lâcher. Mais c'est plus fort que moi. Parce que l'équipe a ma place. On va dire à l'autre, on va être soldat pour nous ici. Tu rentres, tu vois le feu. Vous pensez qu'il y a, tout ce qu'on peut te dire. Qu'est-ce qui peut remplacer ce qui se passe? Réfuge-toi. Invoque le consolateur. Dis-lui, Seigneur, j'ai tellement mal. Mon corps n'a pas la passe. Viens. C'est le toi, tu veux. Jésus t'a laissé cette mission. C'est pourquoi la Bible dit. Ils boivent le Coran pendant leur marche. Voilà pourquoi ils élèvent la tête. Consacre les âmes à Kassinaïoté. Au coup de la maman, papou, il y a ma paix, ma casse. Mignon comme la difficulté. On peut même la passer dans un universal au Pessao. C'est là où c'est accueilli intervient. Quand tu verras ni ton mari, ni ta femme, ni ta mère. Quand vous voyez la mobilité, moi, c'était ma mère. Le jour où ma maison a brûlé, j'ai vu ma mère venir. Je l'ai dit, elle voulait s'évanouir, elle n'avait pas de mots. Je l'ai dit, le Saint-Esprit nous consolera. Quand tu commences à supporter l'insupportable, là tu es dans cette deuxième attribut. Maturité à mon livre, on a fini la guerre, on a accepté pour que ça soit prophétie. Pose la relation là. Pose la réflexion. Non. Dans les états qu'a crédit, là, monsieur, c'est le monde en mode. Le Saint-Esprit est prescrit une prophétie. Il est prescrit une vision. La vision des prophéties sont seulement les dons du Saint-Esprit. On n'en parlera même pas. Beaucoup de gens ont restreint le Saint-Esprit dans ces choses. À qui esprit dans les dons. Il y a un problème à peine à fini. Il n'a jamais connu le Saint-Esprit comme étant celui qui console et qui a brisé. Tu n'as jamais connu cet aspect de l'esprit. Ma prière ce soir, c'est que ces deux dimensions de l'esprit entrent dans ta vie. Puisque tu as pris connaissance de ces choses, le Saint-Esprit a un attribut. Quand il vient en toi, il peut te faire supporter l'insupportable. C'est ce qui fait un enfant de Dieu. Si vous êtes arrivé dans une famille, le père rentre du travail. Il mange à table. Il se réveille pour, il se lève pour aller à la chambre se changer. Il s'écroule. Il meurt. On nous appelle. Tout le monde était déchiré, perdu.
Que Dieu bénisse ses frères là où il est, je ne sais plus. Nous avons trouvé un jeune homme dans cette grande famille qui a rangé les pieds du papa. Il a rangé ses bras. Il a fermé ses yeux. Il a levé ses yeux au ciel. Il a crié de toute sa force. Les larmes nous sont coulées. Il nous demande, frère, aidez-moi à évacuer ce corps. Sa maman était en crise. Son frère qui était évangéliste était en crise. Sa sœur a sauté du ravin pour se donner la mort. Mais lui était là en tant que chrétien. Quand on est arrivé à mon col et on dépose le corps, il a serré sa maman. Il a dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a répris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ça, c'est le Saint-Esprit Saint qui peut le faire. Alors que son père mourait, lui, il était en cinquième année des humanités. Et à la fin du mai, il nous dit, je ne sais pas son ancien examen d'état. Je connais ma famille. Et c'est l'Église qui lui avait payé. Il est dans cette marche avec le Seigneur, il y aura le haut, il y aura les bas. C'est lui qui te soutient. C'est cet esprit qui vit en toi. Mais donc tu ne connais jamais ce qu'il est capable de faire. Si tu connais cette capacité, tu n'abandonneras jamais. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu peux rapidement, pendant deux minutes, incliner ta tête? Lève tes mains, je vais prier pour toi. On va faire le service de vendredi.